Catherine, bonjour. Je vais vous présenter très rapidement. La Catherine Gonard ens parlarà de l'ensenyament de com les dones artistes es van formar al París de principis de segle. Ens semblava important perquè aquest és el context en què es forma l'Hortens. I bé, com ja ha explicat molt bé la Maria José en el seu text, i suposo que ho comentarà, és una de les intrigues, no? Què i de quina manera i per què doncs, aquesta noia d'aquí al Pirineu va anar a París a formar-se i llavors la Catherine ens en parlarà. La Catherine Gonard és historiadora de l'art i documentalista audiovisual. Actualment treballa a l'Institut Nacional de l'Audiovisual de França i és internacionalment reconeguda per les seves aportacions a l'estudi de l'art de les dones amb un especial interès per la visibilitat i representació lèsbiques que veu en bona part de la seva trajectòria com a activista al territori francès. Ha col·laborat i ha participat en moltíssimes activitats, exposicions, arxius, en l'elaboració d'arxius, documentals, no m'allargaré, té un currículum ampli i que es pot trobar a la web. A partir dels anys 2000 ha centrat els seus esforços en la recuperació historiogràfica de les dones artistes del territori francès. L'any 2007 va editar un projecte audiovisual, un documental anomenat Union des femmes peintres sculpteurs, que és un documental en el que s'entrevista a les darreres participants d'aquesta organització, de la Unió de Dones Artistes i Pintores i Escultores, que s'havia fundat l'any 1881, la primera organització d'aquest tipus a França, i que va estar activa fins l'any 95. També l'any 2007 va publicar un llibre que moltes de nosaltres coneixem, juntament amb l'Elisabeth Lebovici, que es titula Femmes artistes, artistes femmes, Paris, de 1880 als nostres dies, que és un recull molt ben escrit i molt documentat de l'activitat de les dones artistes al París d'aquest darrer segle. I dos anys després va publicar una monografia sobre l'artista Simone Baltacher. Ha participat al catàleg d'un gran projecte que es va fer al Pompidou, l'exposició Els arroba Centre Pompidou, que va ser aquella gran exposició que durant un any va penjar només obres de dones artistes al Pompidou, que havia comissariat la Camille Morino, amb un assaig que justament es titulava Les dones artistes, les institucions abans del 1950. I també ha participat, entre moltes altres coses, en la publicació col·lectiva Viure del seu art, història i estatut de l'artista entre els segles XV i XXI. És a dir, aquesta dimensió, si voleu, també més sociològica del com actuen i treballen els artistes. Catherine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est qu'on va faire. Vous parlez, je vais tenter de... d'avancer les PDF. À chaque fois, c'est tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir invité et surtout, j'espère que je ne vais pas parler trop vite pour la traduction. Donc, j'ai choisi de parler de l'enseignement d'un artiste à Paris entre 1900 et 1930. Je vais le faire en plusieurs moments, c'est-à-dire pourquoi Paris, comment est déjà l'enseignement général pour les femmes à cette même époque, et en troisième moment sur la lutte des femmes pour arriver à l'école des Beaux-Arts de Paris, et puis enfin le tour des différentes académies entre 1900 et 1930. Donc la première question qui se pose est pourquoi Paris? À partir de 1900, Paris devient pour les femmes artistes la destination de prédilection, la ville de toutes les ambitions artistiques vers laquelle convergent les Polonaises comme Olga Bolanska, Mela Mouter, les Russes comme Sonia Terk, qui va devenir Sonia Delaunay, Marie Vassiliev, ou même l'Espagnole Maria Blanchard, les Allemandes Paula Modersohn-Becker, Clara Westhoff, ou Gabriel Munter. Voilà une liste que je pourrais continuer longuement. Ce ne sont là que quelques-unes parmi les divers artistes et nationalités qui se sont passé le mot « venir à Paris ». Pour les femmes qui viennent à Paris, de Moscou au Philadelphie, la liberté d'apprendre la peinture et celle d'exposer sont déjà en partie acquises dans leur pays. On peut donc penser que leur installation à Paris leur apporte des bénéfices secondaires.
Depuis la deuxième moitié du XIXe siècle, le système de formation académique croule sous le nombre d'étudiants hommes venus se former à Paris, qui ne cesse de croître. L'école et les ateliers doivent s'adapter. De nouvelles écoles payantes apparaissent, privées, comme l'Académie Julian, fondée en 1868, qui accueille plus facilement les femmes. D'une part, alors que c'est à Paris que se formule de la façon la plus rigide la langue d'un art officiel, c'est aussi là que s'invente un réseau de contre-institutions porteuses d'innovations, rétives aux traditions, plus ouvertes aux femmes. L'impressionnisme, né à Paris dans la rupture du salon officiel, est le premier mouvement à s'ouvrir aux femmes artistes, à redécouvrir le paysage, l'intimité des intérieurs, facilement accessible aux femmes sur de plus petits formats adoptés à la peinture en plein air et aux intérieurs bourgeois. Cette rupture va inaugurer la mise en place d'un nouveau réseau de promotion et de distribution de l'art, un système marchand critique qui propose des alternatives à l'idéologie dominante et officielle, en lui juxtaposant un circuit nouveau de galeries d'art qui prennent parti pour les artistes novateurs. C'est donc également deux éthiques, plusieurs modes d'appréhension de ce qu'est une artiste qui s'offre en France. L'exil temporaire à Paris, pour elle, l'exil temporaire à Paris de plus, avec sa réputation de tolérance et de liberté des mœurs, dessert certainement pour elle le carcan des aliénations individuelles, famille, mariage, aussi bien que collective, exclusion politique, pogrom antisémite. Malgré l'affaire Dreyfus, qui divise alors la France de 1894 à 1906, Paris accueille les influences étrangères et les digère. Cela ne va pas sans résistance, comme en témoignent les commentaires stéréotypés sur le pessimisme nordique, l'exaltation slave, le tempérament catalan. Mais toutefois, ce sont les étrangers et étrangères qui sont à Paris, qui construisent l'école de Paris, qui devient un objet d'attraction et d'émulation pour les autres artistes. Et puis, les intellectuels, je dis bien ES, et émigrés, conduits à Paris par les attraits de bien vivre, de l'art et des droits de l'homme, ne font que suivre le mouvement démographique sans précédent qui a fait doubler par deux fois au XIXe siècle la population parisienne. En 1890, 30% des artistes habitent Montparnasse. Le mouvement de migration est déjà amorcé. L'écrivaine Gertrude Stein s'installe rue de Florus en 1903. La libraire Adrienne Monnier ouvre boutique en 1915 rue de l'Odéon. Sa consœur américaine Sylvia Beach l'y rejoindra en 1921 et, s'ajoutant à la tradition intellectuelle et littéraire du quartier latin, les quartiers pauvres de Plaisance et les plaisirs de la gaieté Montparnasse précipitent la migration des peintres vers la rive gauche. C'est là qu'arrivent et s'installent les artistes de l'émigration de ce début de siècle, notamment les femmes. Accueillies comme étudiantes dans les académies payantes comme Colarossi, rue de la Grande Chaumière, Rançon, La Palette, Viti ou Carmen. Les contacts se multiplient entre des populations, les artistes mais aussi les modèles. Un marché aux modèles se tenant tous les lundis matins sur le boulevard Montparnasse. Le carrefour Vavin devient le point névralgique du quartier, avec ses cafés, d'abord le Dôme, puis la Rotonde, avant l'ouverture de la coupole. Les marchands de couleurs, comme Lefebvre Fouanné, est installé rue Bréa. Une multitude d'hôtels, comme celui de la Haute-Loire, au 203 boulevard Raspail, de pensions, de garnis, sont disponibles aux artistes. Les petits restaurants comme l'Avenue, chez Batty ou la Crèmerie Le Duc entourent le coin stratégique. Les jeunes femmes qui arrivent à Paris se logent pour la plupart d'abord dans des pensions ou chez des familles alliées, puis s'installent avec d'autres jeunes consoeurs, souvent de même nationalité, dans des appartements
et louent ensemble un atelier. Les artistes étrangers, hommes ou femmes, se retrouvent selon leur nationalité dans des cercles informels ou des associations, telles celles des artistes scandinaves, Cyrus Jules Chaplin, à Montparnasse, fondée en 1919 par Léna Borgeson, avec l'aide de Costa Olsson, qui possède la galerie d'art franco-suédoise de Stockholm, ouverte en 1918 à la Maison Watteau, qui fait office de centre culturel, de galerie et de salle d'exposition. Quelques femmes aussi commencent à sortir, sans chaperon. Il s'agit ici bien sûr de celles issues de la bourgeoisie. Les autres, les travailleuses, cela fait bien longtemps qu'elles sont dans la rue. Les voies plus ou moins détournées de la charité ou de la philanthropie vont permettre à certaines de non seulement s'extraire du foyer, mais de se donner les moyens à d'autres de se libérer. L'américaine Elizabeth Millret, femme d'ambassadeur, ouvre en 1893 l'American Girls Club, rue de Chevreuse, avec 40 chambres à 5 dollars par mois et repas à prix réduit. Marie Vassiliev fonde en 1910 l'Académie russe pour les jeunes artistes non francophones, puis l'Académie Vassiliev Impasse du Maine, qui pendant la guerre se changera même en cantine. La baronne de Dingen, peintre sous le pseudonyme masculin de François Angilbou, organise boulevard Raspail les soirées après 1912, les soirées de Paris, des réceptions en l'honneur de la revue éponyme d'Apollinaire. Aussi, à la Fraternité des hommes, écrivains et artistes, ou artistes entre eux, répond la sororité des jeunes artistes qui se regroupent, travaillent ensemble dans les académies. La Britannique Gwen Jott rapporte ainsi le partage de ses expériences artistiques avec la sculptrice et graveuse finnoise Hilda Flodin. Pour les Françaises, ces libertés sont plus difficilement acquises. Marie Laurencin vit longtemps chez sa mère. Quant à Suzanne Valadon, d'abord modèle, c'est en autodidacte qu'elle apprend la peinture. Donc voilà, on passe à l'autre, à ce document sur l'enseignement des lieux des femmes et l'accès à l'école des beaux-arts. Pour la France, l'enseignement des femmes artistes est inséparable du combat des femmes pour le droit et l'enseignement et l'accès à des professions plus valorisantes. Cette lutte commence réellement au milieu du XIXe siècle, lorsque la séparation avec l'enseignement religieux pour les femmes devient une évidence. Ce n'est qu'en 1861 qu'il est permis à Julie Daubier, alors âgée de 37 ans, de passer le baccalauréat qu'elle prépare seule et qu'elle réussit. En 1870, elle publie « La femme pauvre » au XIXe siècle, où elle pose la question de la professionnalisation des femmes, et notamment des femmes artistes. En 1882, l'enseignement primaire devient obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles. C'est à partir de 1879 qu'est mis en place l'enseignement des institutrices, et en 1880, l'enseignement secondaire féminin, ainsi que l'accès à l'école normale supérieure pour former les professeurs. Cet enseignement sera sans latin, sans grec et sans philosophie. Un bac féminin est créé et en 1920, il y a à peu près un millier de bachelières. Ce n'est qu'en 1924 qu'on alignera les enseignements masculins et féminins. Bien sûr, il existe déjà des cours privés de haute qualité, comme celui précurseur de Marie Souvestre et de Caroline Dussault, qui s'ouvre en 1865 à Avon et où viennent s'y instruire les Anglaises et Américaines, notamment. L'École nationale de dessin pour les jeunes filles, fondée en 1803, est la seule institution publique d'art accessible gratuitement aux femmes à Paris. L'école y enseigne aux femmes tout ce qui est compatible avec le comportement féminin et ne demande pas de force physique. Il ne s'agit pas pour l'école de produire des artistes, mais de participer au goût français des arts décoratifs dans des travaux anonymes. D'ailleurs,
quand les écoles d'art en région s'ouvriront aux femmes, bien plus tôt qu'à l'École nationale des beaux-arts, ce sera souvent pour répondre à un besoin local, comme l'industrie de la faïence. Donc là, là on peut passer à celle-là, excusez-moi. Parallèlement, les femmes artistes vont se mobiliser à partir de 1881 en formant une union des femmes peintres et sculpteurs qui, à partir de 1882, va organiser un salon annuel et ce jusqu'en 1994. Dès 1892, l'union est reconnue d'utilité publique. L'État y achète des œuvres. Le bulletin de l'union permet à ses adhérentes, pour le plus grand nombre françaises, d'avoir de nombreuses informations sur la profession, notamment sur les lieux de formation et d'exposition, et donc facilite leur intégration dans le milieu de l'art. L'autre grand combat de l'Union, à partir de 1889, est l'ouverture de l'École des Beaux-Arts de Paris aux filles. La lutte prendra une dizaine d'années et sera extrêmement suivie par les publications féministes, notamment le quotidien La Fronde, qui dès sa création en 1897 va régulièrement faire le point sur chaque avancée. L'École nationale des beaux-arts de Paris, réservée jusque-là aux hommes, est gratuite. Elle permet d'accéder à un enseignement traditionnel de haut niveau avec des maîtres reconnus, souvent membres des jurys des salons, et permettent à leurs élèves d'accéder au réseau des collectionneurs, aux commandes et achats de l'État. En 1896, la lutte enfin donne ses premiers résultats. 40 femmes sont autorisées à fréquenter le cours de dessin. 160 assistent aux différents cours oraux et 3 jeunes femmes, dont une membre de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, sont reçues à l'école de peinture. Le 4 avril 1897, il est décidé que l'École nationale et spéciale des beaux-arts proprement dites, c'est-à-dire les cours de dessin et de modelage, les cours oraux, la bibliothèque et les galeries, sont ouvertes aux élèves femmes dans les conditions déterminées par le règlement. Elles doivent être âgées de 15 à 30 ans, formuler une requête écrite et bénéficier d'une recommandation. Elles peuvent avoir des cours d'anatomie. En 1900, l'atelier d'Imbert pour la peinture l'aurait ouvert, ainsi que celui de Marquest pour la sculpture. En 1904, au concours d'entrée de l'École des Beaux-Arts, section spéciale, peinture, Cécile Tertiaud est la première sur 464 candidats. En 1903, elles sont autorisées à se présenter au Prix de Rome. En 1909, je crois que c'est dans en 1909, Lucienne Wellmann est le premier second prix de Rome en sculpture. En 1911, elle remporte le grand prix de Rome. En 1911, elle remporte le premier grand prix de Rome en sculpture. Odette Pauvert sera la première peintre grand prix de Rome en 1925. Si les féministes se félicitent de toutes ces avancées, les journaux illustrés comme Femina, La Vie illustrée s'en font aussi largement l'écho. Les caricatures misogynes se multiplient dans les journaux humoristiques. Cependant, tout cela ne fait que produire une plus large information sur la professionnalisation des femmes peintres. Le premier combat de ces féministes est donc celui de l'accès au plus grand nombre à la profession et la reconnaissance d'un savoir-faire. L'on peut penser en ces débuts du XXe siècle que c'est un combat d'arrière-garde, puisque l'enseignement de l'École nationale des beaux-arts est alors fortement mis en cause par la modernité. Cependant, à voir l'énergie qui a été produite pour les empêcher d'y entrer, on comprend que l'accès à l'école n'avait pas qu'une valeur symbolique pour les hommes qui y enseignaient et qui y étudiaient. D'ailleurs, l'accès pour les femmes au jury du Salon des artistes français sera le combat suivant de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Il ne suffit pas d'apprendre, mais aussi d'accéder au réseau professionnel. On peut noter que la manifestation des étudiants à leur première entrée officielle à l'école avait pour thème la dévalorisation de l'école qui allait automatiquement se produire avec leur arrivée. Cependant,
Cette ouverture aux femmes est déjà une avancée, pas seulement symbolique. En 1900, la peintre Paula Modersohn Becker, qui arrive à Paris, écrit à ses parents « J'espère apprendre bien des choses, notamment parce qu'il y a un merveilleux cours d'anatomie dispensé gratuitement, qui va compléter mes connaissances insuffisantes en anatomie. Grâce à des préparations et des planches de dessin, on nous a expliqué hier le genou de façon lumineuse. Nulle part ailleurs, on ne nous propose cela à nous, les jeunes filles. Elle suit donc les cours gratuits d'anatomie à l'École des Beaux-Arts, ouverts depuis peu aux femmes. Faut-il rappeler qu'elle-même, avant d'arriver à Paris, a suivi à Berlin en 1896 les cours de l'École de dessin et de peinture ouverte par l'Association berlinoise des femmes artistes. Quelques cours destinés aux femmes vont alors se créer pour préparer le concours de l'École des Beaux-Arts. Alors, normalement, j'avais une slide, mais je ne sais pas laquelle. Du coup, j'arrive plus à voir laquelle c'est. Un peu plus loin, peut-être. Voilà, celui-là. Voilà. Donc, dans ces cours, on voit que différentes femmes les prennent en main. Il s'agit bien sûr donc de les préparer au concours. Et notamment, j'ai mis en illustration deux œuvres de Blanche Moria qui ouvrent un cours à l'École moderne et où on voit d'un côté une femme transmettre à une jeune femme, une jeune fille d'ailleurs, plutôt une leçon, il me semble de botanique d'ailleurs. Et en bas, on voit l'œuvre qu'elle a faite, où en fait, la modèle prend la blouse de l'élève artiste pour devenir une artiste. Voilà. Parallèlement, des artistes qui sont... Alors là, plutôt, je vais partir vers l'enseignement même des académies et comment les femmes vont les intégrer. Parallèlement, des artistes femmes qui sont passées notamment par l'Académie Julian vont être moteurs dans l'ouverture à un enseignement plus égalitaire et moins onéreux pour les femmes. Ainsi, le couple d'artistes peintres, Martha Steller et Alice Dannenberg, vont prendre la tête de la Grande Chaumière à partir de 1909 jusqu'en 1944. C'est aussi dans les académies que l'on va trouver les premières femmes professeurs. Ainsi, Amélie Boris-Sorel, en 1895 à l'Académie Julian, la néo-zélandaise Franz Hawkins à Coloracy, à partir de 1910, la polonaise Olga Bonanska à Colarossi et à la Grande Chaumière. Au fil du temps, les académies proches de la modernité et à l'enseignement plus libre font s'ouvrir en acceptant de fait les femmes dans la mixité. L'Académie Carmen, à partir de 1898, la Grande Chaumière, 1904, l'Académie Ranson, 1908. Pour les trois dernières, c'est d'autant plus une évidence que les femmes vont être à leur tête, que des femmes vont être à leur tête. La modèle Carmen Rossi pour l'Académie Carmen, les peintres Martha Steller et Alice Dannenberg pour la Grande Chaumière, et l'artiste symboliste France Ranson pour l'Académie du même nom, où d'ailleurs l'ensemble des Nabis accepteront d'enseigner jusqu'en 1914. C'est aussi une femme, la peintre et collectionneuse Sarah Stein, qui incite Matisse à ouvrir en 1908 son académie qui comptera un tiers de femmes. Enfin, n'oublions pas la peintre russe Marie Vassiliev qui, avec d'autres, fondera l'Académie russe en 1910, puis en 1912, puis en 1912, l'Académie Vassiliev dans son atelier. Pour réaliser mon idéal, réunir tous les artistes, c'est-à-dire fonder une société basée sur la liberté, l'égalité, la fraternité, sur l'idéal républicain en somme, écrit-elle dans ses mémoires. L'enseignement du cubisme y est une évidence. La moitié des étudiants viennent de Russie. C'est un lieu de rencontre et d'échange important où l'on trouve de nombreuses femmes, Gana Orlov, Marevna, Koncharova notamment.
En 1911, des conflits éclatent, la présence d'éléments anarchisants et proches des révolutionnaires en exil provoque le départ de Marie Vassiliev. Elle ouvre alors l'Académie Vassiliev, 21 rue du Maine. Cet atelier est mis gratuitement à la disposition des artistes et des modèles. Chacun y travaille selon son tempérament et à son rythme, sans y recevoir véritablement d'enseignement. Aucun examen n'en sanctionne d'ailleurs le déroulement. Les élèves se corrigent les uns les autres, recevant de temps en temps la visite de peintres amis de Marie Vassiliev, parmi lesquels Picasso, Braque, Gris, Matisse, Sandrard, Salmon, Max Jacob, Satie, Léger, Marevna, Valadon. La musique et la danse y sont également conviés. En 1913, Léger y donne une conférence, les origines de la peinture et sa valeur présente, ainsi qu'en 1914. De 1915 à 1917, pendant la guerre, Marie Vassiliev transforme l'académie en cantine pour les artistes nécessiteux. Maintenant, je reviens à l'Académie Julian, donc je pense qu'on doit avoir un... Voilà, il me semble que c'est ça. Voilà, merci. L'Académie Julian, fondée en 1868 par Rodolphe Julian, s'ouvre pour la première fois à Garner et trois autres femmes en 1873. Très vite, la non-mixité va être de rigueur dans les ateliers. La peintre Amélie Boris Aurel, devenue épouse de Julian, est la directrice des ateliers pour femmes. Devant le succès grandissant de l'école, Julian ouvre de nouveaux ateliers pour les hommes et pour les femmes, d'abord sur la rive droite, puis sur la rive gauche de Paris. L'atelier des panoramas, le seul sérieux pour les femmes, est celui qui garde la meilleure réputation. Tous les témoignages font état de classes bondées. En 1905, l'Académie Julian compte environ 1000 étudiants inscrits, dont 300 à 400 femmes. Faut-il le rappeler qu'elle paye alors le double des hommes. En mars 1908, Amélie Boris Aurel décide cependant de diminuer d'un tiers les prix du panorama pour satisfaire aux nombreuses demandes de jeunes étudiantes et en faciliter l'accès à toutes les bourses. L'Académie Julian organise chaque année divers concours sous forme d'expositions. Des ventes aux enchères ont lieu pour les meilleures esquisses. Hommes et femmes concourent et exposent ensemble. Le succès de l'Académie Julian auprès des femmes artistes du monde entier s'explique à la fois par le sérieux de l'enseignement, équivalent à celui donné aux hommes, et par la non-mixité, je le répète, dans les ateliers, rassurante pour les familles, mais sans doute aussi pour certaines femmes, si l'on pense d'ailleurs au problème de harcèlement que depuis plusieurs années on nous dit et ont été dénoncés, notamment à l'École des Beaux-Arts dans les dernières années à Paris. C'est aussi pendant longtemps le seul endroit où il est possible pour une femme de travailler d'après nature et surtout le nu. Alors que l'étude du nu constitue l'essentiel de l'enseignement, académique notamment. Jusqu'en 1907, l'alternance du modèle féminin nu et du modèle masculin en caleçon est la règle à l'Académie Julian, comme dans d'autres ateliers parisiens pour les femmes. Cependant, dès 1903, certaines choisissent d'aller au cours mixte pour travailler le nu masculin complètement nu, j'allais dire. Là, on va passer à l'Académie Viti. Voilà, il me semble que c'est là. Voilà. L'Académie Viti, fondée en 1899, propose également deux ateliers, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. L'Académie est fondée par César Viti, un sculpteur émigré italien, à ses côtés, à la gestion, sa femme, Maria Chiara Vita, elle-même ancien modèle. L'Académie Viti est aussi un lieu de rencontre, d'exposition et de lecture. Il semble, d'après les photos retrouvées, que les femmes y étaient très nombreuses. Colarossi. Merci.
Cependant, de plus en plus d'ateliers deviennent mixtes. Ainsi, l'Académie Colarossi, fondée en 1870 par le sculpteur italien Filippo Colarossi, qui fermera en 1830, s'ouvre largement à Camille Claudel, Romaine Brooks, Paula Modersohn-Baker, Eliane Gray ou Gwen John, et gardera cette notion de la mixité. La néo-zélandaise France Hopkins, à Paris, de 1908 à 1914, y est la première femme professeure. Ouverte par le modèle Carmen Rossi, l'Académie Carmen a une courte existence, 1898-1901, mais les cours de Whistler y sont très suivis. La modernité prend peu à peu toute sa place dans l'enseignement et les femmes choisissent aussi de rompre avec l'académisme. La palette, créée en 1900, axe son enseignement sur la peinture indépendante. Elle a comme professeurs Le Fauconnier, Desvalières, Metzinger, Dunoyer de Gonzague ou Chagall. Les Russes, Marie Vassiliev, Sonia Delaunay-Terque, Lubiov Popova, Nadia Udasova, Vera Mukina en suivent tout particulièrement les cours. À partir de 1908, le peintre Nabir Paul Ranson ouvre son académie. Je suivais les cours de peinture de l'Académie Ranson rue de Le Verrier, où professaient Maurice Denis et Sérusier. Maurice Denis m'en corrigeait beaucoup. Quant à Sérusier, son enseignement se bornait surtout à un cours de chimie des couleurs, se souvient la peintre Alice Alica dans ses mémoires publiées en 1946. L'atelier Matisse, puisque je reviens à Matisse. En 1908 s'ouvre donc pour peu de temps l'Académie Matisse installée dans l'ancien couvent du Sacré-Cœur. À l'origine du projet, comme je vous l'ai déjà dit, on trouve notamment la collectionneuse et peintre Sarah Stein, Hans Pürmann et Leo Stein qui promet des subsides. Henri Matisse enseigne là des Américains du Nord et du Sud, des Moldaves, des Ruthènes et quelques Français, note Francis Jourdain. 120 élèves payants passeront durant la courte vie de l'Académie. Un cliché de 1910 montre qu'un tiers de la classe est composé de femmes et que beaucoup d'élèves sont nettement plus âgés que dans les académies concurrentes. La première année, Matisse vient tous les samedis et passe la journée avec ses élèves. L'étude du modèle vivant et d'après Moulage et la coutume, comme les visites au Louvre. Matisse est réputé pour sa sévérité, mais il prône l'indépendance comme condition première de l'art de chacun. À la fin de 1909, Matisse déménage vers Issy-les-Moulineaux et délaisse progressivement l'école qui ferme en 1911. La Grande Chaumière. Voilà, donc en 1900 s'offre l'occasion à Martha Steller et de prendre avec Alice Dannenberg la direction administrative de l'Académie de la Grande Chaumière, qui n'est alors qu'une modeste école d'art. Les premières années, elle assume cette fonction parallèlement à son activité artistique. À l'origine de l'Académie, le cercle informel de peintres, formé à l'instigation de Lucien Simon, qui avec Claudio Castelluccio, encadre les participants. La popularité des deux professeurs fait que l'Académie s'installe en 1902 au 14 rue de la Grande Chaumière, y prend son nom et s'y développe. Le recrutement des enseignants fait partie des fonctions de Martha Steller, qui recrute notamment Bourdel en 1909, puis Émile Blanche, Othon Frise, Fernand Léger, André Lotte, Robert Vléric et Zadkine. Et entre 1909 et 1920, l'une des rares professeurs femmes connues, la peintre impressionniste polonaise Olga Bonanska, y assure un cours sur la peinture et le portrait, sur la peinture du portrait essentiellement. L'Académie instaure une grande liberté qui construira aussi son succès. Pas d'examen d'entrée, pas d'engagement pour un cursus de plusieurs années, ni même pour un cycle de plusieurs semaines qui serait sanctionné par un certificat de fin d'études, un examen ou un diplôme. Associé à des frais de scolarité modérés, la possibilité de
composer son programme de cours selon ses préférences et ses disponibilités. Font qu'elle est majoritairement fréquentée par les étrangers, parmi les élèves femmes qui vont y passer, Alexandra Exter, Tamara Lampica, Meret Oppenheim. La qualité de l'enseignement, mais aussi la modernité de l'établissement, ateliers et salles de cours, frais en été et bien chauffés en hiver, auront leur importance, notamment pendant la guerre. Martha Stettler choisit aussi l'éclairage électrique dès que possible et ouvre un grand salon où l'on peut consulter les meilleures revues françaises et étrangères. Je souligne tous ces détails parce que je pense qu'ils ont eu aussi beaucoup d'importance dans cette histoire de la transmission et de l'enseignement. L'atelier Rodien a aussi son importance. Les femmes artistes ont leur liberté, qu'elles en profitent, que désirent-elles la condition d'élève de l'école, s'est exclamé Rodin à propos de l'admission des femmes à l'école des Beaux-Arts. Dans le cercle de Rodin, en effet, entre 1880 et 1914, évoluent de nombreuses femmes qui ne sont pas seulement ses élèves. On connaît la liste de ses modèles qu'il note à partir de 1890, Yvonne Haute-Cros, Julia Benson, Nora Falk, Juliette Tout-le-Monde, mais il n'y a pas que des modèles qui participent d'une méthode de travail singulière. Dans son atelier circule où se reposent plusieurs modèles, hommes ou femmes. Rodin les contemple sans cesse et quand ceci ou celle-là donne un mouvement qui lui plaît, il demande que la pose soit gardée. Alors vite, il prend son argile et une maquette et bientôt sur pied. Puis, avec autant de promptitude, il passe à une autre qu'il façonne de même, raconte Paul Xell. Les femmes de l'atelier sont aussi des artistes. Camille Claudel, présente jusqu'en 1898, Clara Westhoff à partir de 1900, ou Jeanne Pouplet qui passe par l'atelier et s'en écarte pour revenir à une forme sculpturale classique. La sculptrice irlandaise Nuala O'Donnell fut patricienne de Rodin. La britannique Gwen John, peintre, fut modèle. L'américaine Malvina Hoffman passe chez Rodin avant d'aller faire de la sculpture en Afrique. La sculptrice afro-américaine Metavo Varick-Fuller est vivement encouragée par Rodin. Force est de souligner ces positions variables que prennent les femmes dans leur rapport à la pratique de Rodin. Modèle, praticienne, sculptrice ou élève. C'est la même chose que l'on va retrouver dans l'atelier Bourdel. Pour les sculptrices, l'atelier de Bourdel est une référence. Certaines suivent d'abord les cours de Bourdel à la Grande Chaumière, puis à son atelier, rue du Maine, à partir des années 20, où elles peuvent être aussi modèles, praticiennes. Dans cet atelier se trouve aussi bien la Française Madeleine Charnot que la Britannique Marguerite Milloir, l'Américaine Angela Gregory ou la Chilienne Henriette Petit. Les étrangères ont déjà séjourné à Rome ou à Florence et sont plus âgées que les Françaises. Bourdel s'adresse de la même manière aux hommes et aux femmes de son atelier, avec bienveillance, disent les témoignages. Germaine Richier sera une des dernières femmes à y être acceptée comme élève en 1927. L'atelier moderne, il me semble, c'est une. Voilà, celle-là. C'est la même mixité homme-femme et la même diversité cosmopolite que l'on découvre à l'Académie moderne, créée en 1924 par les peintres Fernand Léger et Amédée aux enfants au 86 rue Notre-Dame-des-Champs. Puis à la même adresse à partir de 1928, l'atelier Fernand Léger. De même, André Lhote, professeur à la Grande Chaumière, ouvre l'Académie André Lhote au 18 rue de l'Odessa à partir de 1924. Parmi ses élèves, les femmes Tarsila Ado Amara, Tamara de Lampica, Anna Bergman, Aurélie Nemours. Des photographes aussi y travailleront à la composition de l'espace pictural. Parmi les plus célèbres pour les femmes, Roger André, Dora Maar. Ces derniers ateliers vont être les plus cités par les artistes qui font œuvre dans les années 50 et 60. On peut dire encore que les ateliers vont être, bien sûr, le lieu des amitiés et des soutiens,
des réseaux faits au féminin, souvent peu étudiés par les historiens de l'art, aussi bien sûr la création de couples d'artistes, de tout genre. Pour la guerre va changer les cartes, mais la guerre pour Paris va changer les cartes. D'autres lieux, d'autres terres vont attirer les artistes pour d'autres formes de transmission. Et donc, la grande variété des ateliers, on peut dire, s'arrête à partir de la guerre. On peut considérer que dans les années 20, les femmes artistes, étrangères ou françaises, accèdent à un enseignement équivalent à celui des hommes, que ce soit dans la modernité, comme on vient de le voir, ou dans l'enseignement plus traditionnel de l'École des Beaux-Arts, puisque Odette Povert emporte le prix de Rome de peinture en 1925. Elle participera par la suite aux ateliers d'art sacré et à des chantiers officiels. D'autres Françaises d'ailleurs, Pauline Peunier, Marthe Flandrin, Valentine Rère, se lanceront dans cette aventure des ateliers d'art sacré où les femmes sont bien acceptées jusqu'à la guerre. Cependant, pour les unes et pour les autres, quel que soit leur enseignement de départ, leur visibilité dans le monde de l'art reste liée à des réseaux où les femmes ont peu de place et surtout peu de pouvoir. L'Association des femmes artistes modernes tentera entre 1930 et 1938 de faire réseau en s'appuyant notamment sur les journalistes et en faisant des expositions internationales avec d'autres associations de femmes artistes, mais de fait, cela les enfermera plutôt dans une notion d'art féminin, alors que les hommes incarneront la modernité. Cependant, dans l'après-guerre, leur place dans les académies et l'École nationale des beaux-arts est désormais acquise et évidente, même s'il faudra attendre les années 60 pour qu'une femme, Isabelle Wadberg, devienne professeure à l'École nationale des beaux-arts. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Merci, Catherine. Merci beaucoup pour votre patience aussi avec ce système un peu primitif. Alors, je vais demander si quelqu'un a une question. No sé si algú té alguna pregunta o algun comentari. Maria José. Millor ara, així ja... Sí. Millor, vine aquí, en el micro. No, m'ha comentat... Ah, tenim micro demà? Ah, d'acord, sí. Vale. Doncs sí, millor ara, així ja li diguem. Alors, Catherine, oui, il y a une question? Sí, si ho dius en francès. Ai, no. Ho dic en català i algú em pot traduir, sí? No sé si ho sé dir bé en francès. Alors, je l'ai pas essayé. No, c'est un petit question parce que vous avez donné... C'est un petit question parce que vous avez donné... Bonjour et merci pour la conférence. Excellent, avec beaucoup, beaucoup d'informations. Et c'est seulement une petite question. Oui, j'ai beaucoup, mais peut-être je vais écrire postérieurement pour demander quelque chose de plus concrète. Mais c'est sur la présence des artistes femmes de l'Amérique latine. Parce que vous avez cité beaucoup d'artistes, mais j'ai écouté quelques noms que j'ai associés ou vinculés à l'Amérique latine. Il y a des femmes qui reviennent de Mexique ou de Brésil ou de... pour étudier art à Paris et pendant les premières décades de siècle XX. Comment ça dit, le siècle XX? Oui. Le XXe siècle. En fait, j'ai l'impression que dans la première partie du XXe siècle, on n'en a pas beaucoup et j'en ai pas là pour l'instant en tête. Mais il me semble... Alors, le problème à chaque fois, c'est que à chaque fois que de nouvelles biographies, j'allais dire, viennent sur les femmes artistes, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a de nouvelles connaissances des unes et des autres, en fait, on découvre alors leur présence dans les ateliers où on peut en fait suivre leur parcours.
Peut-être est-ce ma méconnaissance des artistes mexicaines ou brésiliennes qui font que je n'ai pas repéré automatiquement les noms. Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiantes de ces pays à ce moment-là. Mais comme je l'ai un peu souligné, jusque vers 1910, pour les femmes, le coût déjà des académies est énorme, beaucoup plus important que pour les hommes. Et puis aussi, je pense que la difficulté de logement, etc., aussi rend l'aventure encore plus périlleuse suivant les endroits d'où on vient. Et je pense aussi que, du coup, c'est surtout une très grande bourgeoisie qui peut se permettre d'envoyer ses filles aussi loin à Paris, à l'époque. Merci. Attends, Luisa, je vais faire un autre. Parce que je connais que Tarsila do Amaral a étudié avec Léger. Mais je ne sais pas si c'est à cette académie ou de quelle façon. Mais ça me portait à une autre question, que c'est vraiment la question qui m'intéresse. C'est sur toutes ces académies que vous avez mentionnées, est-ce qu'il y a des documentations sur les matriculations, la liste des noms des élèves, etc.? Parce que ma investigation, c'est sur cette sculptrice presque inconnue, Hortense Béguet, mais je ne peux pas aller à Paris pour consulter, je ne sais pas si ça existe, cette documentation, si c'est centré. C'est quelle la fonte pour vous? Parce que comme que vous avez mentionné maintenant la biographie des artistes femmes et pas de documentation d'archives. Merci. Oui, c'est-à-dire que suivant les fonds, beaucoup de choses sont plus difficiles à retrouver. En fait, je sais qu'on a quasiment peu d'archives sur Collard aussi. Et aussi, il me semble, sur Viti, par exemple. Donc, je pense aussi qu'il y a tout un travail. Par exemple, si je vois, par exemple, sur l'Académie Julian, en fait, c'est assez récent qu'on voit l'importance de tous les archives qui existent de l'Académie Julian, parce que la famille avait gardé la plupart des archives, et que notamment à une exposition qui a eu lieu récemment à Varsovie, on a pu voir, j'ai eu la chance de pouvoir y aller pour un colloque sur Anna Bielinska, un grand ensemble d'archives de l'école avec les registres, etc. Mais il me semble, si j'ai bien compris, qu'une partie de ces archives, d'ailleurs, vont être données à Varsovie, au Musée des Beaux-Arts de Varsovie. Je pense qu'il y a peut-être eu... on a peut-être laissé partir un peu, ici et là, les archives de toutes ces académies. Je pense qu'il peut y avoir aussi pas mal de choses à la bibliothèque Kandinsky, aussi au Centre Pompidou. Mais toujours, c'est toujours assez compliqué. Je vois que, par exemple, si je peux citer mes propres problèmes, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire un fonds d'archives, par exemple, sur l'école, sur l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Et quand j'ai essayé, il y a une quinzaine d'années, de remettre ces archives à la bibliothèque Kandinsky, je n'ai pas eu d'écho. Et donc, tout ça est encore chez moi. Donc, vous voyez aussi qu'il y a eu une difficulté aussi, ne serait-ce que pour les archives qui correspondaient aussi aux femmes artistes, une grande difficulté de faire reconnaître l'importance de ces archives au sein des archives des institutions nationales. Et donc, mais je pense en effet qu'actuellement, les choses changent. Et que donc on va retrouver ou peut-être mieux
rendre accès plus facilement en fait l'ensemble de ces archives et surtout les collecter plus largement. Parce que par exemple, pour les archives de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, on ne sait pas où se trouvent l'ensemble des archives autres que celles que moi j'ai pu réunir, où elles peuvent se trouver. Or, on sait qu'à un moment, elles ont existé. Merci beaucoup pour cette très complète explication. Les archives sont toujours un problème, le retrouver, le conserver et le consulter. Je sais pas, no sé si hi ha alguna altra pregunta que algú li vulgui fer a la Catherine. Alors, Catherine, il n'y a pas plus de questions. Je vais vous remercier encore pour être aujourd'hui avec nous, avec toutes ces petites difficultés, mais on a réussi à tout faire. Très bien. Alors, maintenant, je vous déconnecte. Je vous écrirai après un email. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.